Alors, ce soir, pour la finale, nous sommes chez Anthony et Blue, son fidèle compagnon à quatre pattes. Espérons qu'il ne participera pas à la préparation du repas. Alors, Anto, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Ce soir, en entrée, ça va être des doigts de poisson avec des frites de courge, de courgette, avec en accompagnement un shooter uppercut. Un repas principal, ça va être une calzone avec un coup libre. Et le dessert, c'est une calzone dessert avec un B-52 flambé. Oh non, pas encore! Sa note générale, je vais lui donner un 8 parce que l'entrée c'était excellent. Les trois shooters qu'il nous a donnés c'était parfait. Le reste, le repas était simple puis le dessert était délicieux, mais bon, c'est pour ça que j'ai coupé les deux points juste à cause du repas, me reste mal, mais le reste tout était parfait, c'était magnifique. Oh, oui, pour le souper de ce soir. Très bon, j'ai vraiment tout apprécié. Je vais aller avec un 10. Peut-être côté négatif un peu, il y avait quand même pas mal de boucanes. On a de la misère à se voir à un moment donné, mais bon, ça rajoute un petit goût fumé, j'imagine. J'imagine que c'est ça le concept. Ben c'est ça, là, pour le souper de ce soir, je trouvais ça très bon. Tu sais, une entrée avec des doigts de poisson, mais tu sais, poisson n'aura pas de doigts. Mais après ça, une calzone dans le repas, une calzone dans le désert. Fait que moi, mes soeurs pizza, fait que les calzones, c'était tout le temps gagnant. Fait que moi, je trouve qu'avoir servi une calzone dans l'entrée, une calzone dans la sortie, puis c'est super bon. Fait que pour moi, pour Anto, je vais donner la note de 10. Ben 9. C'est ces trois quarts, c'est bon? Yeah! C'est ce droit encore pour Anto! Le souper Anto, son entrée, moi j'aime pas vraiment le poisson pané. Il a trouvé le tour de me faire aimer ça. Sinon, son plat principal, la pizza était correcte, mais la pâte était excellente. Son dessert aussi était très bon. Malheureusement, ça faisait beaucoup de pâte dans un repas. Alors, je voulais pas lui donner une grosse note, ça fait que je vais lui donner un petit 8. Alors Anto, comment est-ce que tu évalues ton souper? L'entrée était bonne à part que j'ai raté les frites molles. Le repas principal était bon, manquait d'assaisonnement, trop de pâtes. Puis le dessert, tant qu'à moi, était complètement manqué, mais
C'était potable, encore mangeable. sur 40, combien est-ce que tu penses avoir? 20. Bon, ok, messieurs, c'est l'heure de dévoiler les scores avec la personne gagnante. Alors, j'ai ici les résultats. Alors, pour le premier souper, on a Félix avec la note de 32,5. Wow! Deuxième souper, nous avons moi-même avec la note de 31. Oh. Le troisième souper, Francis, avec la note de 30,25. Le quatrième souper, c'était chez PM avec 31. Et le dernier résultat qui va déterminer qui gagne. En tout, ça mérite la note de 32,75. Hey! C'est énorme là, c'est énorme. Ah, je dirais un peu.